Hello tout le monde les amis, c'est Guylaine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto déco. Et aujourd'hui les amis, je vais vous en prendre plein, vous allez vous en prendre plein les yeux les amis. On va faire un T-Rex en, vous savez, les autres T-Rex qu'on peut trouver dans les musées et autres. Vous allez voir, c'est super réaliste et c'est super sympa et on va commencer dès maintenant. Donc voilà, on va commencer très facilement. Donc vous allez poser 16 blocs de largeur de magnifiques terre cuite rouge. Regardez, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et en largeur, 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, donc on va rejoindre tous les autres côtés. Voilà, on va faire un magnifique petit carré. Donc voilà, après avoir rempli donc du coup notre petit terrain ici, on va commencer par faire la première patte du dinosaure, donc du petit T-Rex. Donc voilà, on va se poser directement ici, voilà. On va poser donc 1, 2, 3 barrières de bouleau. On va poser, voilà, des petits escaliers en bois de cette manière. Et on va monter tout ça, regardez, j'espère que vous suivez bien, c'est très important de suivre. Voilà, donc pour l'instant, ça ressemble à peu près à ça, ça ressemble à pas grand-chose, mais vous allez voir, ça va être juste fou. Donc voilà, après avoir posé tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un escalier à l'envers. On va poser une petite barrière en bois de bouleau, voilà, qui ressemble un peu plus à la texture de l'os. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose de très sympathique, vous allez voir. C'est qu'on va faire le haut de la cuisse. Et pour faire le haut de la cuisse, déjà, c'est que j'ai mal mis les escaliers. Voilà, il faut les mettre à l'envers, excusez-moi. Voilà, donc on va faire comme ça. Hop, regardez, suivez-moi. Suivez-moi bien, voilà, ça ressemble à peu près à ça. Donc vous pouvez voir que ça ressemble un peu à une cuisse, une petite cuisse de T-Rex. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser un escalier à l'envers ici. Et une petite dalle ici. Et là, on va poser donc une barrière, une autre ici et une autre comme ça. Voilà, on va poser tout ça. Vous pouvez voir que ça nous fait une petite cuisse vraiment très sympathique. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la deuxième patte. Donc, c'est très facile. Il faut faire le même pattern, mais de l'autre côté. Voilà, regardez, vous avez vos magnifiques petites pattes. Voilà, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les pattes. En tout cas, on va faire la queue, excusez-moi. Et donc, pour faire la queue, il faut poser 1, 2, 3 barrières ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser donc la queue. Donc, 1, 2, 3 barrières. On descend de 1. Voilà. 1, 2, 3. On descend de 1. Et puis, voilà. On fait une petite queue. Vous pouvez voir que c'est une queue très sympathique. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, commencer sa colonne vertébrale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser 1, 2, 3 blocs ici. On va rajouter un petit escalier en bois là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la colonne vertébrale. Donc, il faut poser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 8 petites magnifiques, vous pouvez voir, barrières en bois de bouleau. On va poser un escalier de cette manière-là. Et puis voilà, vous avez un poulet. Voilà, c'est magnifique. Merci à tous, les amis. Non, c'est pas fini. Ne vous inquiétez pas, c'est pas fini. Bon, pour améliorer cette petite, cette magnifique, on peut dire, colonne vertébrale, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va le mettre comme ça, parce que je me suis totalement gouré, comme padoué je suis. On va poser ça comme ça, et on va poser 5 escaliers, excusez-moi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, de cette manière-là, avec une petite dalle. Une petite dalle, voilà, et c'est beau, c'est magnifique. Maintenant, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va rajouter des petites codes. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ouais, voilà, exactement. Excusez-moi si vous voyez qu'il y a des petites coupures, c'est normal, je retourne des fois sur ma map pour me rappeler de comment j'ai fait le petit tuto. Là, nous allons poser un escalier ici, ici. Ici, non, pas du tout, c'est comme ça, voilà. À chaque fois, je me trompe, les amis, voilà, il faut le poser une fois sur deux. Et on fait pareil, du coup, de l'autre côté, voilà, de cette manière-là, en fait, ça va nous permettre de faire les côtes, en fait, les côtes du dinosaure de fou qu'on a, regardez. Donc là, on va faire comme ça, on va le descendre de 1, et on va faire comme ça. Et là, regardez, les amis, vous dites, ouais, mais ça ressemble pas à grand-chose et tout. Mais croyez-moi, ça commence à prendre forme, mais vous ne le voyez pas encore. Que là pour l'instant on a fait vraiment pas mal de choses et écoutez c'est vraiment cool, j'avais envie de réaliser un petit tuto différent. Bah écoutez, pour une fois on crée des monstres, on va pas dire des monstres mais des animaux dinosaures de la réalité dans MC. Et c'est plutôt cool. Je voulais aussi vous proposer une petite astuce déco. À mon avis, je vous la montrerai lundi. C'est une astuce déco par rapport à FNAF, parce que je sais que vous aimez beaucoup FNAF.
Donc du coup, je vais vous proposer une astuce déco, les amis. Pas piquer des hannetons. En tout cas, voilà, regardez, on a les petites colonnes vertébrales qui sont présentes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la tête. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va poser une petite barrière ici, ici et ici. Et on va poser ensuite quelque chose. C'est un escalier, excusez-moi, à l'envers qui est ici, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les petits bras du dinosaure, voilà, du T-Rex. On va poser tout ça ici, regardez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va mettre une fence comme cela, une fence comme cela et une fence comme cela, regardez. Comme c'est très sympathique. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil de l'autre côté, donc en faisant la même position, voilà, deux blocs. Hop. Et donc du coup, on va faire la même, donc une barrière, un petit portillon de cette manière-là, et là, ouvert, voilà. Donc ça nous fait les petites pattes. Maintenant, on va commencer la tête véritablement, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette petite position-là, voilà, qui fait un peu la forme de la tête du T-Rex, qui va nous permettre de rajouter les différents blocs par la suite. On va poser un petit bloc ici, et là, on va commencer par poser des petits blocs, voilà, de boulons, donc 1, 2, 3... Et on repose le même bloc, voilà. Et pour réaliser la tête, du coup, parce que là, on est vraiment sur le crâne, on va poser un escalier à l'envers et une dalle. On fait pareil de l'autre côté, de cette manière-là, voilà. Et maintenant, on va poser deux escaliers à l'endroit, de cette manière-là. Enfin, pas du tout deux escaliers, mais un. Et une petite dalle ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une autre dalle de cette manière-là et on va poser une petite barrière. Voilà, regardez, ça nous fait une petite barrière où on va ajouter pas du tout de cette manière-là, mais de cette manière-ci. Normalement, je vais faire un petit tour sur ma map. Voilà, pas du tout. Alors, il faut mettre voilà, les blocs comme ça, de cette manière-ci, et casser ce bloc et rajouter du coup un petit bloc de boulot très sympathique. Donc c'est vraiment un tuto plutôt dur. Donc c'est pour ça que je galère un peu à suivre les amis. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un escalier de cette manière là. On va poser une dalle ici, une ici et un bloc pour finir ici. Et on commence à avoir le visage, même la gueule, on peut le lire, de la bête. Qui est franchement super sympathique. Ensuite nous allons poser deux petits portillons de cette manière là. Et maintenant, on a juste à finir par poser les dents. Et donc, pour les dents, c'est hyper facile. Encore une fois, on a juste à poser un bloc, à poser un portillon, de l'ouvrir. Ici, pareil, on met un autre portillon et on l'ouvre. Et là, on va poser deux blocs entiers, voilà. Ici, on va poser une petite demi-dalle de cette manière-là. Et là, on va poser un escalier, les amis. Et écoutez, boum, regardez votre magnifique petit T-Rex. Enfin, petit, on peut le dire, hein, parce que là, regardez, il est vraiment super grand. Et ce n'est pas fini, parce que nous allons rajouter un peu plus de réalisme. On va rajouter quelque chose de très, très sympathique. C'est que nous allons rajouter, regardez, des petites barres pour faire tenir le squelette de cette manière-là. Il faut être précis et bien le poser, voilà. Regardez, on va en mettre un au niveau du bassin, ici. Regardez, hop. Voilà. Et est-ce que on n'en mettrait pas un autre au niveau de la tête? On pourrait en mettre un au niveau de la tête, ici. Mais est-ce que on serait dans l'alignement du dernier bloc? Et oui, on est beaucoup trop fort, regardez. Voilà. Regardez comme c'est beau. Ça nous fait un dinosaure, un magnifique petit dinosaure. Et moi, ce que je vous conseille, c'est que personnellement, on pourrait mettre un petit panneau tout autour. Regardez, on va faire ça. On va poser un petit panneau en plein milieu avec marqué T-Rex, voilà, au Tyrannosaurus. Je m'en rappelle plus. Tyrannosaurus Rex, voilà. Le mec est pas très fort en nom. En tout cas, voilà, regardez, on va rajouter des petits tableaux tout autour, enfin des petites pancartes. Et boum, voilà, regardez, on a, on est même pas au plein milieu, on est même pas en plein milieu, je crois, en tout cas, bref, c'est pas très grave, vous pouvez voir que c'est très très sympathique, on a notre petit panneau avec marqué T-Rex, et on pourrait même rajouter quelque chose d'encore plus sympathique, c'est rajouter des petites lanternes pour faire croire que c'est, vous savez, dans les musées, il y a souvent des lumières pour éclairer, voilà, les magnifiques petits os. Et c'est très très sympathique. Là par contre, faites attention, mettez-le là, à mon avis, la barre, mettez-la là, c'est un peu mieux.
Et voilà, c'est un peu mieux. Voilà, les amis, regardez ce magnifique T-Rex, cet os de T-Rex. En tout cas, je le trouve vraiment super réaliste. Je le trouve vraiment très très sympa. En tout cas, regardez le souci des détails par rapport aux petites fence gates qui sont là. Au niveau des, on peut dire ça, de ses pattes, de ses bras, voilà. Je trouve ça vraiment très très sympathique. En tout cas, voilà, les amis, dites-moi dans les commentaires si vous aimez, si vous kiffez cette petite astuce déco, parce qu'elle a été très dure à réaliser comme la dernière. En tout cas, voilà, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et en tout cas, voilà, les amis, regardez ça, imaginez, vous mettez ça dans un musée, c'est juste ouf. En tout cas, voilà, les amis, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. En tout cas, voilà, merci à tous encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'aller voir mon Twitter, donc Guylian YouTube, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette petite vidéo. C'était Guylian. Allez, bye tout le monde.